à tous les adhérents Magic Forum, c'est Eddy. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Boxing Fury. On va faire un petit bloc technique ensemble. Et derrière, 6 rounds de boxe, essentiellement sur le cardio. On aura vu les 2-3 mouvements techniques à faire. Mais en gros, aujourd'hui, on va juste envoyer des coups de poing sans trop réfléchir pour vraiment se dépenser à fond. Ok, on se met en place. Prenez un petit espace autour de vous, histoire d'avoir à peu près 2 mètres carrés pour pouvoir se déplacer légèrement. On commence, on mobilise bien les poignets. Ok, on va mobiliser les coudes aussi. On relâche les bras, on peut bouger les épaules, faire des bonnes rotations bien amples vers l'avant ou vers l'arrière. Et en même temps, mobiliser légèrement la nuque. On essaie de s'auto-grandir, de mettre un peu d'espace dans les cervicales, incliner la tête d'un côté, de l'autre. Préparer toute la chaîne du corps qui va travailler sur les frappes. Regardez bien la tête dans les épaules tout au long du travail. Il faut un petit peu relâcher, épaules, trapèze, le cou aussi. Ok, légère rotation du buste dans un sens, dans l'autre. On n'est pas encore chaud, on va pas trop loin. On suit avec le regard, on envoie légèrement les coudes vers l'arrière, d'un côté puis l'autre. On va rajouter un tout petit peu d'amplitude sur ce mouvement en rajoutant bien les bras. On laisse partir les bras. D'un côté et de l'autre. Voilà, on va un petit peu plus loin. On suit avec le regard. Ok, on relâche. On va garder les jambes légèrement fléchies en déverrouillant les genoux pour stabiliser bien avec les cuisses. Et en même temps, on vient juste faire des rotations avec le bras. Rotation vers l'arrière. Du coup, on essaie d'avoir la paume de main vers l'extérieur. Hop, voilà. On agrandit bien, on vient bien ouvrir. On relâche l'épaule et on étire activement le pec aussi. Ok, on change de sens. Cette fois, on peut mettre la paume de main vers l'intérieur. Ça peut commencer à légèrement chauffer l'épaule, c'est parfait, il faut continuer ce mouvement. Ok, on change de bras, pareil, paume de main vers l'extérieur, on ouvre bien, on va chercher vers l'arrière. Pareil, on change de sens vers l'avant, paume de main vers l'intérieur cette fois. Ok, on relâche les bras. Regardez les paumes de main vers l'intérieur des deux. Et on va ouvrir. Hop, les deux bras en même temps. Ça, on fait 10 rotations comme ça. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bien large, bien ample. Pareil, on garde les paumes de main vers l'intérieur. Et hop, on fait pareil en ramenant vers l'avant. 10 fois aussi. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche un peu. Donc on va enchaîner tous ces mouvements. Pareil, pour finir de bien mobiliser les épaules et les bras. Et on va mettre un petit peu plus de rythme. Je vais mettre le rythme en même temps. On va faire 10 répétitions à chaque fois. 10 répétitions le bras vers l'arrière, 10 répétitions le bras vers l'avant. Pareil pour l'autre, 10 vers l'arrière, 10 vers l'avant. Ensuite les deux bras, 10 vers l'arrière, puis 10 vers l'avant. Vous embêtez plus sur la position des paumes de main, c'était pour varier un petit peu sur l'échauffement pour bien stimuler toutes les fibres. Là on ne réfléchit pas, on envoie le mouvement activement, on met un peu de vitesse, un peu de rythme, on va jouer un peu plus sur l'étirement. Donc on commence, 10 rotations d'un bras vers l'arrière. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. On change de bras vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et deux bras vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On souffle, on relâche. On a pu monter un petit peu le cœur. En même temps, on a bien mobilisé les épaules et les bras. C'est essentiel pour la gestuelle qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un tout petit bloc technique. Je vais descendre un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. On va travailler techniquement sur le direct des deux bras, l'uppercut du bras avant, une frappe qui vient d'en bas vers le haut, et le crochet du bras avant, qui vient du crochet, du côté pardon. C'est bon, le crochet, ça vient du crochet. Du coup, on va travailler un tout petit échauffement spécifique pour voir ça. Et derrière, on commencera notre travail, ça sera 6 rounds de boxe. 6 rounds, 3 minutes de boxe, 1 minute de repos. Donc au total, 24 minutes de travail, 18 minutes de round et 24 minutes au total avec les minutes de repos. On aura bien bien monté le cœur, vous allez voir, on va faire un petit jeu. Le cœur va monter très très haut. Et en même temps, à chaque fois, vous allez devoir essayer d'appliquer un maximum la gestuelle boxe qu'on va voir de suite ensemble. Donc prenez un petit peu de temps pour vous hydrater et on va partir sur cette petite partie skill. Ok, on se met en place. Une jambe devant, une jambe derrière. Jambes légèrement fléchies, les poings au niveau du visage pour être en garde. On va travailler à chaque fois sur une minute où je vais vous faire changer la méthode des coups qu'on va envoyer. Je vais vous travailler la technique ensemble simplement. On fait 5 petites minutes souples. C'est juste pour travailler les mouvements techniques et commencer à bien préparer le cœur. Ok ? En place, on est parti. Ok, première minute, on n'envoie bien qu'un direct du bras avant. On allonge le bras qui est devant. Le poids du corps bascule légèrement vers l'arrière, en même temps on fait une rotation du poing. Avec ce mouvement, dans la rotation du poing, l'épaule vient en protection, le poids du corps est sur la jambe derrière, je suis légèrement fléchi, je suis protégé par rapport à mon adversaire et j'allonge le bras. Ok, voilà, juste ça pour l'instant. On ne travaille pas trop vite, on se concentre lentement sur le mouvement effectué. Ça nous permet, comme on dit, de faire le schéma moteur, de préparer le cerveau à contracter les muscles qu'il faut pour envoyer le bon coup. Donc pas du tout important de mettre de la vitesse pour l'instant, de juste être sûr du mouvement. Un point qui frappe, le point opposé qui reste bien en protection, le poids du corps qui bascule correctement, j'ai toujours bien les appuis, j'allonge le bras, je le contrôle. Le bras avant, il part du visage, il revient au visage. Hop, hop, voilà. Ok, maintenant, on sert de ça, bras avant, tout le poids du corps était derrière. On lance le bras arrière, tout le poids du corps revient devant et on revient en garde. 1, 2 coups. Voilà, bien long. 1, 2, on prend le temps. 1, 2, 1, 2, le poids du corps. 1, 2 d'un côté et de l'autre. Poids arrière, poids sur l'arrière, poids sur l'avant. Voilà, derrière. Devant, on garde les jambes légèrement fléchies, la tête sort de l'axe deux fois, un collé à droite, un collé à gauche, si vous êtes en fausse garde, un collé à gauche, un collé à droite. Ok, encore. Ok, ça fait 2 minutes. Maintenant, on va te mettre à mettre un troisième coup. On envoie bras avant, bras arrière, tout le poids du corps est devant. On revient à un uppercut du bras avant. Uppercut du bras avant, le bras il est à 90 degrés. Et on va faire une rotation des hanches et de l'épaule pour remonter dans la cheville, on appelle ça. L'adversaire il sera souvent en garde comme ça. Il faut imaginer qu'on remonte ici. Donc, bras avant, bras arrière, uppercut du bras avant. Donc, le poids, tout le poids du corps est devant, sur ce jambe qui est avant, est légèrement fléchi. Hop, on envoie l'uppercut grâce à la force qu'on a sur cette jambe-là. Hop, et derrière, on peut revenir en garde doucement. 1, 2 coups, l'uppercut, et on revient en garde. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
On se concentre sur la contraction musculaire, trouver les appuis, un point qui frappe, un point qui protège. 100 mètres de rythme, ça c'est déjà très épuisant musculairement si on le fait bien. Ok, top, ça fait déjà 3 minutes. Deux petites minutes, il nous reste encore, on tient bon. On repart par avant. Bras à l'air. Cette fois le troisième coup, on n'envoie pas l'uppercut, on envoie le crochet. Un crochet du bras avant. Le coude qui monte, on vient frapper le côté de la tête de l'adversaire et tout le poids du corps bascule derrière. Bras avant, bras arrière, crochet du bras avant. Voilà. 1, 2, 3. On ouvre bien l'épaule. 1, 2, 3. Pour faire un arc de cercle, il faut le régimer bien. Que je vais chercher derrière les gants de mon adversaire. Il faut que j'aille taper à peu près au niveau de l'oreille, entre l'oreille et la mâchoire. Donc 1 direct, 2 direct, crochet du bras avant. 1 direct, 2 direct, crochet du bras avant. 1, 2, voilà. 1, 2, 10 secondes encore. 1, 2, 1, 2. Ok, une dernière minute, on ne réfléchit plus trop, on monte légèrement le cœur. On ne se concentre pas trop, forcément. Sur des accès à la tête, l'important c'est d'envoyer des coups de poing. Toutes les 20 secondes, on changera de coup de poing. Pour l'instant, on n'envoie que des directs. On allonge, bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Ok, pareil, maintenant on n'envoie que des uppercuts. Ça vient du bas vers le haut. Hop, ça remonte dans l'axe. L'idéal, c'est d'arriver à chaque fois, l'uppercut du bras arrière, le poids est devant, l'uppercut du bras avant, le poids est derrière. Et du coup, la tête, elle sort. Et si vous n'êtes pas encore capable de le faire, c'est pas grave. Restez un peu plus sur place et envoyez les bras. Ok, 20 dernières secondes. Pareil avec des crochets. Crochet du bras avant, crochet du bras arrière. Crochet du bras avant, crochet du bras arrière. On vient frapper l'adversaire sur le côté. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On respire. On peut s'hydrater, on souffle, on relâche. Avec ce petit travail technique qu'on a fait, en même temps on a monté légèrement le cœur, on est vraiment chaud. Maintenant on va pouvoir commencer notre cœur du travail. 6 rounds de boxe, 6 fois 3 minutes, entrecoupées d'une minute de récupération. On va se mettre en place et on va partir sur ça. Prenez le temps de boire, ensuite on enchaîne. D'accord, on va commencer. Je vais lancer le chrono, ensuite on va commencer. Sur ces 6 rounds, on va faire un premier round de vraiment de préparation. Donc là on est chaud déjà, c'est pas vraiment un round d'échauffement, mais c'est un round où on va aller moins fort que les autres pour vraiment bien se préparer au format de travail. Les 5 rounds derrière, on va vraiment mettre du rythme. Tenez-vous prêts, je lance le chrono à chaque fois. 3 minutes de travail, 1 minute de récupération. Attention, 3, 2, 1, go, on est parti. Ok, pour l'instant, en garde, le seul coup qu'on a envoyé, c'est un seul coup direct du bras avant. Donc on se concentre bien, le bras arrière ne travaille pas, il reste en garde. Je travaille sur un seul coup, le direct du bras avant. Le but c'est qu'en même temps ma tête elle désaxe du côté de la jambe arrière pour qu'elle se mette en protection. Mais pas obligé de le faire coup sur coup, on peut alterner de temps en temps. J'envoie bien le direct rapide, je garde la tête dans l'axe. De temps en temps, hop, la tête elle sort vraiment pour être en sécurité. Voilà. Aujourd'hui, on va mettre beaucoup de vitesse. C'est pas très grave d'être très très bon sur l'exécution technique. C'est ce qu'on a vu sur l'échauffement pour faire au mieux. Après derrière, on envoie des coups. Première minute, on reste bien comme ça. Après, je vous change la consigne. Ok, deuxième minute, on fait l'opposé. Le point avant reste en garde, on n'envoie que le bras arrière. Vu qu'il vient de derrière, hop, on pense bien à le ramener, on ne le laisse pas retomber. On le déclenche, on le ramène. Donc pareil, on peut se déplacer légèrement. On a un petit ring dans sa tête, puis au moins un mètre par un mètre. On se déplace, on peut faire des petits pas de pivot. Chez vous, un coup on frappe un mur, on bouge un peu, on frappe l'autre mur, on revient. Toujours les jambes légèrement fléchies. Encore 20 secondes. Le point avant, bien en garde, le bras arrière, il part du visage, il revient au visage.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dernière minute de travail. On déclenche bras avant, bras arrière. Deux coups, 1, 2, très rapide. 1, 2. Voilà. On garde les jambes légèrement fléchies. On ne perd pas les appuis. L'important, c'est de bien sortir la tête. Entre les coups qu'on a fait nos séries, une fois qu'on a lancé 1, 2, on peut bouger la tête à droite, à gauche. En petite esquive, on bouge. On est des cibles mobiles. Voilà. Finis bien cet échauffement spécifique avec ce premier round où ça chauffe vraiment. On fait bien les rotations des coups de poing pour que les épaules s'engagent bien. Il faut presque que l'avant de mes épaules frappe mes joues à chaque fois sur les mouvements. Allez, 10 secondes encore. On allonge bien les bras. 4, 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. Ok. On respire. Respirez, vous avez une minute devant vous. Prenez le temps de vous hydrater. On relâche. Là, ça vous prépare ce premier round au format de travail. Là, on va enchaîner. Prochain round, ce ne sera plus la même directive. Ce sera un petit peu plus cardio. Allez, dans 30 secondes, on repart. Comme il va y avoir 3 minutes de travail. 3 minutes, c'est un vrai round de boxe anglaise. Première minute, on va mettre un rythme modéré. Les deux dernières minutes, je vous dirai, on laisse partir les coups, on ne réfléchit plus. Si on a de l'énergie, on va très vite. Si on a moins d'énergie, on se gère. Donc, premier round, on va être parti. Deuxième round, pardon. 3, 2, 1, go. Ok, parce que c'est le premier vrai round. Là, on est parti, on déclenche que des 3 coups. Bras avant, bras arrière, uppercut du bras avant. 1, 2, 3. Ça, c'est grâce à ça, c'est ce qu'on a vu à l'échauffement. Bras avant, bras arrière. Ouh, je me sers bien du bras arrière pour envoyer tout le poids du corps devant et je vois l'uppercut du bras avant. C'est 1, 2, 3. Première minute, on n'est pas obligé d'aller très vite pour bien repérer le mouvement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On compte dans sa tête, c'est notre mélodie, on a 3 coups, ça va faire 1, 2, 3. Donc bien sûr, si le mouvement du percute n'est pas du tout rentré, vous n'arrivez pas à l'effectuer, c'est pas grave, envoyez 3 coups de poing, 1, 2, 3, bien en ligne. Et on se concentre en plus à bien sortir la tête, c'est à chaque fois. Si on ne veut pas mettre le percute, c'est pas grave, 3 directs bien en ligne et on sort la tête. Ok, il nous reste 2 minutes. On ne réfléchit plus, on envoie 3 coups, 1, 2, 3, direct, direct, tu percutes, direct, direct, tu percutes, voilà. On garde la tête dans les épaules, on imagine qu'on est en protection. Ah tiens bon, on a 3 minutes de travail, il faut se gérer sur les ports pour maintenir ça. Chaque fois qu'on déclenche des séries, c'est que 3 coups de poing. On va avant, on va arrière, on percute. Ah, il nous reste 1 minute, on tient bon sur ce rythme. Donc on a sa tête, dès que les coups partent, c'est 3 coups. 1, 2, 3. Direct, direct, tu percutes. Direct, direct, tu percutes. Ah, on tient bon. 30 secondes encore. Allez, 10 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
top en souffle. Ok, on respire. Très bien. On a fait deux rounds. On se concentre bien sur la respiration. Important de laisser redescendre le cœur par le biais de la respiration pendant les 20-30 premières secondes. Et après, vous pouvez vous hydrater. Parce qu'avant, sinon, ça casse votre récupération. Important de bien redescendre. Après, on s'y va. Donc prochain round, dans 15 secondes, on ne travaillera que sur des séries de 5 coups de poing. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous montre les coups et on part sur ça. 3, 2, 1, ok. Donc 5 coups de poing, 1, 2, 3, 4, 5. La même série qu'au départ, direct, direct, uppercut, direct du bras arrière, direct du bras avant. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Première minute, pareil, on va pas trop vite, histoire de rentrer le mouvement. Comme 5 coups, le cœur va monter un peu plus, vous avez le droit de récupérer, cette fois, avec juste un petit travail du bras avant, de temps en temps. Je prends le temps, je récupère, et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Pour l'instant, première minute, on va pas trop vite. On pense à souffler sur ses frappes. 10 secondes encore. Ok, il nous reste 2 minutes. On accélère un peu. Pareil, quand on déclenche que le bras avant, ça part très vite. Si on veut déclencher la série, on n'a pas le droit de déclencher une série en dessous de 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5. Direct, direct, tu percutes, direct, direct. 1, 2, 3, 4, 5. On garde bien les appuis. On se concentre. On souffle sur ses frappes pour bien s'oxygéner. On allonge les coups. 1, 2, 3, 4. Et on renvoie encore le bras avant. On récupère. Chacun son rythme. Si vous, après une série, il vous faut 10 à 12 secondes, en récupérant, je sors la tête. Du petit bras avant, j'attends. Quand je récupère, 1, 2, 3, 4. L'important, c'est de donner ce qu'on peut. Et on met beaucoup d'énergie. La boxe, c'est un sport fractionné. Il faut que le rythme soit un coup lent, un coup très rapide, pour surprendre. Donc pas la peine d'envoyer beaucoup de séries, si ça ressemble à 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne sert à rien. Prenez le temps, gardez votre énergie, mettez moins de séries, mais quand ça part, 5 coups très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 50 secondes encore. On récupère bien avec des petits bras avant, pour garder l'adversaire à distance. Vous pourrez être sûr de sa distance à soi. Si on avance, quand on déclenche, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on tient bon. On a fait 3 rounds, vraiment, le cœur a commencé à bien monter. On va avoir 40 secondes de récupération. Donc pareil, là ça va être encore un peu plus dur et un peu plus complexe. On va passer sur 7 coups de poing. Comme pour les 3, comme pour les 5, si vous n'arrivez pas à mettre en place la série, envoyez que des directs, c'est pas grave. Là, je vous monte sur 7 coups, on a encore 20 secondes, mais pareil, 1, 2 direct, 3, uppercut, 4 bras arrière, 5 bras arrière, ça c'est ce qu'on a fait. On revient avec 6, encore un bras, un direct du bras arrière, et un crochet cette fois, du bras avant. Ça, ça fait 7 coups. Si on n'y arrive pas, 3, 2, 1, go, on est reparti. Si on n'y arrive pas, on n'envoie que des directs. Première minute, on y va sur la série doucement. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. Il y a un uppercut et un crochet du bras avant. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre temps, c'est que des directs bien en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme d'habitude, première minute, prenez bien le temps de rentrer la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est juste mon bras qui est devant. Et un coup, il envoie 1, 2, 3, par en bas. 4, 5, 6, 7, par le côté. Un coup, un uppercut, un coup, un crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 10 secondes à ce rythme. Ok, il nous reste 2 minutes. Pareil, on accélère cette fois. On réfléchit plus trop. On a un petit bras avant pour récupérer. Quand on déclenche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacun son rythme. L'important, c'est que ça aille vite. Et encore une fois, si on n'arrive pas, qu'on se mélange les pinceaux, c'est pas grave. Travaille en ligne et que des directs. On commence avec le bras avant, on finit avec le bras avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Résultat, je sors la tête, je bouge. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on y arrive, on mélange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un uppercut et un crochet. Laissez parler votre boxe. Si vous avez un doute, balancez 7 coups de poing. Peu importe les coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, essayez de bien garder la tête dans les épaules. Et un pont qui frappe, un pont qui protège toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, direct du bras avant, on prend la distance. Il nous reste 45 secondes. Que des 7 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on est fatigué, que c'est dur, on se concentre que sur le bras avant. Regarde bien les appuis. La jambe arrière qui pousse sur le bras avant. Ça évite, on jaillit. 1, 2, impulsion, répulsion, on récupère. Et quand on pourra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 15 secondes. Secondes. Top, on souffle. Ok. On récupère. On respire. On a fait 4 rounds. On respire bien. On a fait un round d'échauffement, enfin, de mouvement spécifique. 3 coups, 5 coups, 7 coups. Là maintenant on va. Non, je rigole. On redescend à 5 coups de poing. Donc du coup, on va redescendre dans 20 secondes. Prochain round, on va repasser sur la même série que tout à l'heure à 5 coups de poing. Donc il y a un peu moins de coups. Normal, on est un peu fatigué aussi. Et on va essayer de garder quand même une belle vitesse d'exécution. Un beau rythme. Si on peut, qu'on a encore du jus, on va même encore plus vite que tout à l'heure. Puisqu'on est chaud et que tout va bien. Go. Première minute, on repasse par la minute technique. Direct, direct, uppercut, direct, direct. On fait bien l'échange de poids de corps, si vous ne vous tromperez pas. Bras avant, tout le bout du corps est derrière. C'est forcément le bras arrière, tout le bout du corps est devant. Forcément le bras avant, tout le bout du corps est derrière. Forcément derrière, tout le bout du corps est devant. Forcément avant. C'est logique, si vous gainez bien les abdos. Faites bien l'échange de poids de corps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je commence avec le bras avant. Je finis avec le bras avant. Première minute. Tranquillou, on ne va pas trop vite. On reprend les mouvements spécifiques de la technique. Sur 5 coups de poing. Direct, direct, uppercut, direct, direct. Direct, direct, uppercut, direct, direct. 10 secondes encore. On garde ça. 3, 2, 1, ok. On est parti. Il nous reste 2 minutes.
un gros travail du bras avant si on veut récupérer quand on déclenche un 3-4-5. Il faut qu'on aille très vite, maintenant on est chaud, très explosif. La boxe est un sport, comme je l'ai dit, explosif. L'important, c'est les changements de rythme. Imaginez qu'il y a un adversaire en face, il faut le surprendre. 1, 2, 3, 4, 5, même si vous frappez très fort, si c'est mou, vous ne surprendrez personne. Donc imaginez qu'il y a un adversaire qu'il faut le surprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on bouge. Ça permet de travailler explosif. C'est mieux pour votre cœur, pour votre corps et votre cœur. 5 coups de poing. 1, 2, 3, 4, 5. Direct, direct, hypercute, direct, direct. On garde des petits bras avant. Comme d'habitude, on est fatigué. On sait plus faire la série. Que des directs. Que des directs. 1, 2, 3, 4, 5. Bien en ligne. On allonge les bras. On a commencé avec le bras avant. On finit avec le bras avant. Et c'est pour ça que les séries sont toujours impaires. Je trouve ma distance et je me remets en sécurité à la fin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on tient bon, 30 secondes encore. On va essayer de garder la tête dans les épaules, un minimum. Un petit travail du bras avant aussi sur les morts. Si on a du jus, on continue. Ok, les séries de 5 coups. Bien sûr, moi les séries que je vous propose sont libres à interprétation. Si vous avez 5 coups avec d'autres mouvements, faites-vous plaisir. Donc on souffle. Ok. On respire bien. Une petite minute. Et on va attaquer le dernier round. On a fait 3 coups, 5 coups, 7 coups, 5 coups, 3 coups. Avec un round de préparation, 6 rounds de total, c'est parfait. Donc là, ça dépend de votre état de forme aussi. Si vous avez constaté que ça va bien, mettez la patate pour ce dernier round. On est à combien là? Ouais. Ok. Dans 10 secondes, on part pour ce dernier round. Que des 3 coups sur ce dernier et ultime round. Ok. Première minute, direct du bras avant, direct du bras arrière, crochet du bras avant cette fois. Un direct, deux directs, un crochet du bras avant. On va essayer de se concentrer sur le poids du corps. À chaque fois, il faut que ma tête aille à l'opposé. Comme ça, ma tête, c'est la cible de l'adversaire. Si elle bouge, on ne peut pas m'atteindre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On relâche bien l'épaule, mettre le crochet pour pas qu'il soit trop court. S'il est très court, à l'adversaire, s'il est près de moi, oui, mais s'il est un peu long, je ne toucherai jamais. Donc bien relâcher un peu l'épaule pour aller chercher ample. Encore une fois, vous pouvez varier ça d'ailleurs. Des coups, des fois ample, des fois très court. Ça dépend de la distance de l'adversaire. Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il est loin de moi? Il faut que je m'adapte. Allez, que des 3 coups. Direct, direct, crochet. Moins de 10 secondes encore. On tient tranquillement sur cette première minute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, on repart, il nous reste 2 minutes, on met du rythme cette fois, direct, direct, crochet, 3 coups ça va très vite, l'idéal serait de ne pas trop mettre de bras avant, pour vraiment déclencher que des 3 coups, dernier round, on peut mettre du rythme, alors tiens-moi, 1 minute 30, on souffle sur nos bras pour s'oxygène, on a fini notre entraînement là, maintenant dernier round, à
en moins d'une minute. Allez, 30 secondes, on finit fort. Si on peut, on voit les séries de 3 coups. Non-stop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, on tient bon. 10 secondes. 12 secondes. Ok, on respire, une petite minute, on laisse bien descendre le cœur, on inspire profondément, on souffle profondément également, on a fini notre travail, on a fait nos 6 rounds, très bien, 18 minutes pure de travail, avec le repos, 24 minutes, très bien. Encore 20 secondes de récupération. Ok, top. 24 minutes, parfait. Récupérez, respirez encore. Prenez 1 à 2, voire 3 minutes supplémentaires. Hydratez-vous, relâchez. On a fini l'entraînement. Je vais descendre un peu la caméra pour vous donner une meilleure vue au niveau du sol. On va finir avec un petit jeu de planche. On va faire du gainage pour finir en beauté. On va travailler bien la ceinture abdominale qui a déjà travaillé en synergie avec tout le reste du corps sur les mouvements. Là, on finit juste un petit circuit de gainage pour finir et la séance sera bonne. Prenez le temps de récupérer et après on se met en place. Donc on va se mettre en place. Pour finir ça, avec un petit travail de gainage, de planche au sol. Pour ceux qui ont vu les autres adhérents Magic Form, qui ont vu les autres vidéos boxing que j'ai fait, on a beaucoup fait de gainage sur les mains. C'est vrai que ça permet de bien travailler les épaules basses et c'est une option un poil plus facile pour le gainage. Mais cette fois, on va travailler sur les avant-bras. Donc, les avant-bras au sol, jambes tendues. Ah, on avance un petit peu. Voilà. Le dos bien droit. Je creuse pas les reins. Là, vous voyez, c'est un peu bas. Là, je suis à bonne hauteur. Je garde la tête dans l'axe. J'essaie encore une fois de descendre mes épaules. Non pas vers le sol, mais vers mon corps, je veux dire, en fait, en horizontal pour vous sur l'image, pour essayer de ne pas trop travailler dans les épaules. De m'auto-grandir, de bien gainer les abdos. On va partir pour 6 minutes de travail de planche intermittent. Je m'explique. On va faire 3 premiers tours, 30 secondes de planche, 30 secondes de repos. Sur 3 premiers tours. Le tour suivant, on va augmenter le temps de contraction et réduire le temps de repos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait 3 tours en 30-30, on va faire un tour à 40 secondes de gainage, 20 secondes de repos. Le tour suivant sera 50 secondes de gainage, 10 secondes de repos. Et la sixième et dernière minute, une minute entière de gainage. On relâche, on souffle, on s'assouplira un peu et on aura fini. On se met en place. Je vais vous lancer le chrono. Pour les 30 premières secondes. 3, 2, 1, go, 30 secondes de gainage, jambes tendues, on essaie de garder les épaules basses, la tête dans l'alignement, à vous de voir selon comment vous êtes à l'aise, soit les jambes, écartement des hanches à peu près, c'est-à-dire que les pieds ne sont pas joints, soit l'inverse, je mets les pieds joints, là c'est un petit peu plus dur de trouver le point d'équilibre, donc ça contracte un petit peu plus, écartement des hanches, ça suffit largement, quand on sait que là on va faire pas mal de gainage. Top, on souffle. Ok, ça fait 30 secondes déjà. Ça passe assez vite. Donc on souffle bien, on relâche 30 secondes. Je vais attraper ma bouteille d'eau. Si vous l'avez à côté aussi, n'hésitez pas. Donc 15 secondes, on repart. Dans 8 secondes, on repart. On se tient prêt.
3, 2, 1, go. On est reparti, 30 secondes de gainage. La tête bien dans l'alignement, auto-grandis. C'est fois un peu aussi. Clac. Déverrouiller les genoux. Faire une légère flexion de jambes, ça va optimiser mon gainage abdominal. Faut pas que les hanches partent vers l'avant. Je les garde à 90 degrés. Enfin, le dos bien droit. Ouais, en tout cas, 90 par rapport au sol. Genoux déverrouillés, ça optimise le gainage. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Top, je souffle. Voilà, c'est déjà fini. Donc à vous de voir, pieds joints ou écartement des hanches. Si vous voulez travailler différemment, aller un petit peu plus loin sur la contraction, déverrouillez légèrement les genoux. Sinon, jambes classiques. Dans 10 secondes, on repart pour notre dernier bloc de 30 secondes. Ensuite, les blocs seront un petit peu plus longs. 3, 2, 1, go. On est parti. 30 secondes à nouveau. Très important sur le gainage, de visualiser la contraction abdominale. Chaque fois que je souffle, imaginez que le nombril rentre un petit peu plus et j'ai les abdos dans un étau, comme un filet qu'on resserre. Il faut vraiment que le transverse se contracte un maximum et que tout soit stabilisé à fond. 6 secondes encore, on maintient. 3, 2, 1, top, on souffle. Ok. On récupère. 30 secondes. Donc là, on a fait la moitié du travail au total, parce qu'on a fait 33 minutes sur 6 minutes. Donc prochain travail, 40 secondes, un petit peu plus long gainage, plus court la récupération aussi, plus dur, 20 secondes seulement. Dans 10 secondes on repart, 40 secondes de planche. Tenez-vous prêt, 3, 2, 1, go, on est parti, 40 secondes de gainage. Donc bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, l'option la plus facile, si on a du mal pour la planche, c'est de la faire sur les genoux. En envoyant bien les hanches vers l'avant. Là, je vous montre pas parce que j'ai pas envie de tricher. Je fais la séance avec vous. Donc là, je vais faire vraiment de la planche. Mais voilà, ceux qui ont du mal, bien sûr, sont en réathlétisation, qui reprennent l'effort. On le fait sur les genoux, on envoie bien les hanches vers l'avant et on travaille sur la contraction. Si on sent que les abdos contractent, que ça fait mal dans le ventre, mal mais supportable, c'est qu'on est bon. Allez, encore 6 secondes, on maintient ça. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On respire, on relâche. On relâche un petit peu les épaules aussi. Souvent, les épaules ont tendance à un peu trop contracter pour travailler sur la chaîne scapulaire plutôt que les abdos. Donc, si on a très mal aux épaules, il faut bien concentrer pour les rabaisser et essayer de remettre le travail sur les abdos. 3 secondes, on repart. 2, 1, go, on est reparti. Cette fois, vous l'avez compris, on allonge encore le temps de travail. On part pour 50 secondes de planche. Donc, si jamais chez vous, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Allez au maximum. Si à 30 secondes, vous craquez, vous posez les genoux, vous relâchez et vous repartez avec nous. Là, on part pour 50 secondes. On souffle 10 secondes. Et le dernier bloc, c'est une minute non-stop. Ça fait déjà 30 secondes. Encore 20 secondes. On essaie de bien respirer aussi. C'est que c'est pas facile pendant le gainage, mais il faut aussi bien s'oxygéner. Pardon. 3, 2, 1. Top, on souffle. Ok. On a seulement 10 secondes. On relâche bien les bras. On va repartir. C'est fini. Il vous reste une minute. Dans une minute, votre entraînement est fini. 3, 2, 1. Go. Une minute de planche. Allez, vous n'avez pas fait tout ça. Tous ces échauffements, ces 6 rounds de boxe, vous avez déjà fait 4 minutes de notre petit jeu en planche, 5 minutes même par an. On est sur la dernière, faut pas craquer. Allez, ça fait 40 secondes qu'il nous reste à faire. Allez, il nous reste 30 secondes. Alors, regardez la tête dans l'axe. On se concentre sur le gainage abdominal à fond. On reste 20 secondes en infini. Allez, dans 10 secondes, c'est fini.
3, 2, 1. Top en dessous. Ok. On relâche les bras, on respire. Normalement, si vous avez bien joué le jeu, vous êtes en nage, comme moi. Ok, on prend le temps, on respire, on relâche. Je vais vous montrer une petite routine d'assouplissement qu'on va faire pour la chaîne scapulaire, les bras, les épaules, pour relâcher ça. Une petite routine d'entraînement que je fais tous les matins sur un petit chrono, si vous l'avez à la maison, c'est très intéressant, principalement pour les garçons. On commence à avoir les bras très costauds et du coup les fléchisseurs hypertoniques, ça fait du bien de se mettre une petite routine d'entraînement pour relâcher ça. Et pour les filles, tu as tendance à être plus souple, vous allez voir si ces mouvements là vous les ressentez. On va juste finir avec ça. On va finir sur 4 petites minutes de relâchement, d'assouplissement léger. Faites-le bien la sensation, travaillez bien sur la respiration également. Toutes les 30 secondes, on va changer de bras puis de mouvement. Je vais vous montrer. C'est assez simple, ça va assez vite. C'est assez ludique et visuellement, vous allez le voir directement, le mouvement est très simple. Donc, on va enchaîner. Premier mouvement, on vient mettre la paume de la main de profil comme ça sur un mur. Il vous faut juste un pan de mur, c'est pour ça que vous êtes rapproché du mur. Vous voyez, si je mets la paume de la main là, je vais chercher un peu loin derrière. Hop, et je vais regarder à l'opposé. Du coup, mon bras se retrouve tendu au maximum. Ça fait que ça vient étirer l'avant de l'épaule. Et surtout, je mets la main comme ça pour venir étirer le biceps à fond. Donc on va partir sur 30 secondes pour ce premier mouvement. Ok, go. Pour un bras, paume de main, on souffle, on va regarder à l'opposé. On vient sentir l'étirement sur l'avant de l'épaule, on peut le sentir aussi sur le haut du pec, l'avant de l'épaule. Et si on est très contracté des fléchisseurs comme moi, on peut ressentir aussi dans le biceps, c'est important. Donc là encore, 6 secondes comme ça. Et on change de bras, on fait pareil, on se tourne, on va chercher l'autre côté. Ok, pareil, l'autre bras, la paume, vous allez le voir dans l'autre sens du coup. Voilà. Je relâche. J'essaie de conserver pareil l'épaule basse. Je souffle. Voilà. Cinq. 4, 3, 2, 1, stop. Ok, prochain mouvement, on met la main à 90 degrés dessus. Pareil, et on envoie le corps sur le côté. On peut aller chercher le bras un peu plus loin derrière, mais à 90 degrés. Ça permet de beaucoup plus s'étirer sur le pec. Comme à 90 degrés. Je souffle, j'ai regardé de l'autre côté. N'hésitez pas, si vous avez une tranche, un mur chez vous à 90 degrés, de mettre la main comme ça contre le mur, contre l'angle du mur, et de le faire là, vous irez encore plus loin sur l'étirement. Là, c'est plus simple de vous montrer comme ça. Donc pareil, vous allez voir l'autre côté, la main à 90 degrés, je garde bien l'angle de 90 degrés, main vers le plafond, et je regarde loin à l'opposé. Dans le pectoral, je suis censé le ressentir. On travaille bien sur la respiration. Essayez d'avoir le coude à peu près à hauteur de l'épaule, ça va être bien étiré. Si vous l'avez ici, vous n'allez pas le sentir du tout. Ok, on relâche. On repasse au premier bras cette fois. On va juste mettre la paume de main contre le mur assez haut. Pas forcément le plus haut possible, mais assez haut et loin dans la diagonale. Et là, pareil, on va chercher devant. Et là, on va retirer des faisceaux différents qu'on va ressentir vraiment dans le pec et sur l'avant de l'épaule. Allez, 30 prochaines secondes de l'autre côté. Allez, 10 secondes encore. Deux derniers mouvements, on va amener le coude derrière la tête et l'autre bras, voilà. On va étirer, là on vient étirer le triceps, l'arrière du bras.
Si on ne ressent pas bien le mouvement, hop, on peut aller s'incliner également. On va venir étirer aussi tous les muscles sur les côtes. 10 secondes encore. Si on envoie bien le coude derrière la tête, on ressent l'étirement dans le triceps. Triceps, ça nous fait faire l'extension complète du bras. Donc forcément, sur le direct, on s'en sert. Donc là, c'est important de le relâcher. Pareil de l'autre côté. Encore 10 secondes. Ok, top. Voilà. On relâche les bras. Cette petite routine, ça ne prend que 4 minutes. Donc ça, si vous avez bien ressenti l'étirement, c'est intéressant de l'utiliser chez vous, de le refaire. Ça peut être le matin, le soir. Ça prend que 4 minutes. Et ça permet de relâcher bien les bras. Combien travailler sur une séance boxing. Voilà pour nous aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires ou à m'en envoyer sur ma page perso. J'en reçois beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que tout va bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, on approche normalement de la période de fin de confinement. Donc on espère pouvoir très vite vous réaccueillir au sein de Magic Form Bordeaux. On attend bien sûr les directives comme tout le monde. Courage à tous. Restez, gardez le courage, restez soudés, occupez-vous de vos proches, restez confinés et j'espère qu'on va très vite vous revoir pour des séances boxing en live, face to face. À bientôt, bye.